Dios afídale, tu mamá y su something.
Lève-toi, Chilo. Et les mains. Et Yahweh, et les mains. Amen, 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 amen. J'ai un problème avec l'image. Je pense que nous allons commencer ainsi sans image. L'essentiel est que vous entendez ma voix et que nous puissions prier. Amen. Amen. Vraiment, je me suis battu pour l'image, mais je ne sais pas ce qui se passe. Je vais voir ça après que nous allons terminer notre prière. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis. Si Jordan a la grâce de participer maintenant, il peut prendre les relais pour ajuster l'image. Mais actuellement, on n'a pas l'image. Je ne sais pas ce qui se passe. Tout est bien branché, mais l'image ne sort pas. On ne sait pas pourquoi. Mais ce que nous aimerions, c'est prier, chanter, louer Dieu. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons prier. Ce soir, nous sommes là devant Dieu, devant le Dieu d'éternité en éternité. Nous allons prier. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le véritable. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Élevons notre voix. Proclamons qu'il est Seigneur. Disons merci à notre Dieu. Remercions les dieux d'éternité en éternité. David, tu peux accepter là-bas. Accepte rapidement. Disons merci à notre Seigneur. Il est roi, il est puissant. Il est Dieu, il est merveilleux. Il est le Saint des Saints, il est le rocher. Il est la manne cachée, il est l'étoile du matin. Il est le Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, les saints d'Israël. Soyez bénis, les dieux tout-puissants. L'Éternel, notre rocher, notre Seigneur, il est le Dieu tout-puissant. Il est la solution divine. Il est le roi des rois. Il est le saint des saints. Il est le tout-puissant.
Il est le créateur. Il est le rocher de tous les âges. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous sommes venus pour adorer les dieux d'éternité. Merci, Jordan. En tout cas, vous voyez vraiment chacun a son métier. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre bien-aimé Jordan pour le travail qu'il vient de réaliser? Oh, que Dieu soit loué, que Dieu bénisse Jordan pour son effort, pour l'amour qu'il a manifesté. Maintenant, vous avez l'image et ça fait du bien. Amen. On a perdu beaucoup de temps, 15 minutes pour seulement ajuster l'image. Voilà, Jordan a fait plus qu'une minute et l'image est là. En tout cas, Dieu appelle chacun à son devoir, chacun à son, selon son don, selon les talents qu'il lui a donné. C'est pourquoi il faut reconnaître les talents de l'autre. Alléluia. N'abaisse jamais quelqu'un de son talent. Il faut toujours favoriser parce que nous avons besoin de chacun. Alléluia. Que Dieu soit béni, Dieu soit loué. Je veux que ce soir, nous puissions élever nos voix pour adorer le Dieu d'éternité. Est-ce que tu peux élever ta voix, adorer Dieu et soyez reconnaissant, lui disant merci. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens dire merci. Merci à mon Seigneur. Merci au Dieu Tout-Puissant, au Créateur, à celui qui dit et moi la chose arrive, à celui qui donne existence à ce qui n'existe pas. Il est le véritable. Il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur. Il est le rocher. Il est la manne cachée. Il est l'étoile du matin. Laissez-moi adorer le Seigneur des Seigneurs. Laissez-moi le proclamer. Laissez-moi le célébrer. Je viens célébrer ton Saint-Nom. Je viens célébrer ta grandeur. Je viens célébrer ta puissance. Je viens célébrer ta gloire. Papa, reçois la gloire. Reçois la bonté. Reçois la paix. Reçois la bienveillance. À toi la gloire. À toi la sainteté. À toi la puissance divine. Yahweh, je te bénis. Je te glorifie, je sanctifie ton nom, je proclame ta majesté, je proclame ta sainteté, je te dis merci, merci Seigneur, merci le Dieu Tout-Puissant, merci le Créateur, merci le Rocher, merci la manne cachée, merci l'étoile du matin, à toi la gloire, à toi la sainteté, à toi la puissance, à toi la grandeur, à toi le miracle. Laisse-moi élever ton Saint-Nom. Laisse-moi proclamer ta gloire et ta puissance, Yahweh. Tu es Dieu, tu es saint. Tu es Dieu, tu es puissant. Tu es Dieu, tu es merveilleux. Je te dis merci. Merci éternel. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci le Dieu de grâce. Merci le Dieu de grandeur. Merci le Dieu de puissance. Merci le Dieu de sainteté. Tu es le rocher de tous les âges. Tu es la gloire de ma vie. Papa, tu es la bonté de ma vie. Tu es la paix de ma vie. Tu es la conclusion de ma vie. Yahweh, n'est-ce pas toi le Dieu d'éternité en éternité? N'est-ce pas toi le Dieu puissant? N'est-ce pas toi le Dieu merveilleux? Tu es grand, tu es puissant. Je célèbre ton nom. Je célèbre ta majesté. Je célèbre ta puissance. Laissez-moi t'adorer, laissez-moi te glorifier, laissez-moi te sanctifier. Je viens sanctifier mon Seigneur, je viens sanctifier mon Dieu, je viens sanctifier mon roi, je viens sanctifier le Dieu d'éternité en éternité. Il est Dieu, il est Seigneur, il est puissant, il est le rocher, il est la manne cachée, il est l'étoile du matin. À toi la gloire, à toi la grandeur, à toi la puissance, à toi l'élévation, à toi la magnificence, Yahweh. Je t'adore, tu es Seigneur, je viens te louer, je viens t'adorer, je viens t'élever, je viens te proclamer, je viens te célébrer, je viens glorifier le roi des rois, le saint des saints, le Dieu tout-puissant, le créateur, le rocher, la manne cachée, l'étoile du matin, le rocher de tous les âges, la sainteté de ma vie, la gloire de ma vie, la puissance de ma vie, c'est toi, Seigneur. Je t'adore, Yahweh. Tu es saint.
tu es puissant, tu es Seigneur, à toi la gloire, à toi la grâce, à toi la puissance, à toi la magnificence, à toi la grandeur, à toi les changements, à toi la libération, à toi la sanctification. Yahweh, je vois des choses qui étonnent, des choses merveilleuses, des choses grandioses. Yahweh, tu es ma liberté, tu es la puissance divine, Yahweh. Yahweh, Yahweh, laisse-moi encore te célébrer, Papa. Je viens célébrer ton nom, je viens célébrer ta gloire, je viens célébrer ta puissance, je viens célébrer ta grandeur, je viens célébrer ton miracle. Yahweh, tu m'as libéré, tu m'as libéré, tu m'as guéri, tu m'as sauvé, Yahweh. Tu m'as sorti de la mort. Tu m'as sorti, Yahweh. Papa, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te proclamer? Comment ne pas t'adorer? Yahweh, tu es le saint de ma vie. Tu es la sainteté. Tu es la gloire de ma vie. Tu es la puissance de ma vie. Yahweh, je célèbre ton nom. Je célèbre ta puissance, Yahweh. À toi la gloire, à toi la grandeur, à toi la puissance, Yahweh. Laissez-moi adorer le Seigneur de gloire, adorer le Saint des Saints, adorer le Tout-Puissant, adorer le Créateur, adorer le Rocher, adorer la manne cachée, adorer la puissance divine, adorer la grandeur, adorer l'amour de notre Seigneur, adorer la paix de Dieu. Yahweh, Papa, je t'adore. Je t'adore, il n'y a que toi, Yahweh, il n'y a personne d'autre, Yahweh. Je viens te célébrer ce soir, je célèbre le rocher, ce soir, je célèbre celui qui est grand, ce soir, je célèbre celui qui est puissant. Il est mon Dieu, il est mon Seigneur, il est le roi des rois, il est le Tout-Puissant. À toi la grandeur, à toi la puissance, à toi la célébration, à toi la magnificence. Je viens exalter le roi des rois, je viens exalter le Tout-Puissant. Sois béni le Dieu d'éternité en éternité. Soyez béni, gloire soit rendue à ton nom. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen. Oh, bien-aimé, nous allons prier. Ce soir, c'est le grand jour. Ce soir, c'est le jour du changement. Ce soir, c'est le jour de la victoire. Bien-aimé, tous les jours ne se ressemblent pas. Il y a des jours où Dieu manifeste de grandes choses. Il y a des jours où Dieu t'observe. Aujourd'hui, Dieu veut guérir quelqu'un. Dieu veut amener la paix dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu veut te célébrer. Alléluia. Dieu veut te bénir, Dieu veut te libérer, Dieu veut te procurer la vie, Dieu veut te procurer la paix. Alléluia, Dieu veut exercer sa main sur toi, Dieu veut proclamer de grandes choses. Alléluia, ce soir, nous allons invoquer le Seigneur de gloire. Alléluia, alléluia, qu'il intervienne, demande à Dieu d'intervenir dans ta vie. Dans ton problème, dans ce qui est en train de te bloquer, implore Dieu, dis Seigneur, interviens. Maintenant, je veux vivre le bonheur, je veux vivre ta grâce, Yahweh. Et dans ta main, interviens dans ma situation. Yahweh, viens changer. Tout ce qui était difficile à moi devienne facile. Tout ce qui était impossible, Yahweh, rends-le impossible dans ma vie. Tout ce que je voyais de loin, Seigneur, rapproche-le de moi. Tout ce que je ne pouvais pas toucher, Seigneur, que je le touche. Alléluia. Invoque Dieu. Que Dieu puisse intervenir dans ta situation. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus,
Je viens invoquer le Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu de sainteté, le Dieu de puissance. Yahweh, je t'invoque ce soir, je t'invoque en ce moment. Yahweh, interviens Seigneur, interviens dans ma situation, interviens dans mon problème. Yahweh, rends-moi grâce, Yahweh, fais-moi grâce maintenant. Yahweh, vois ma situation, comment elle est pénible, comment elle est difficile. Je viens implorer Yahweh. Yahweh, je t'implore. Papa, viens manifester ta grâce, viens manifester ta puissance, viens manifester, Yahweh, ta paix. Yahweh, ce soir, j'ai besoin de ton intervention. Yahweh, interviens le Seigneur de gloire, interviens le roi des rois, interviens papa, Yahweh, toi qui rends possible ce qui était impossible. Toi qui rends maintenant, Yahweh, papa, tu donnes, Seigneur, ce qu'on ne pouvait pas recevoir. Toi qui donnes, Yahweh, donne-le-moi maintenant. Yahweh, intervient dans ma situation, que mon langage change, que Yahweh, que je parle en termes de victoire, en termes de célébration. Papa, j'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin de toi, Yahweh. J'ai besoin de toi, mon Seigneur. Yahweh, fais quelque chose. Fais quelque chose de Yahweh. Adonai, mon Seigneur. Adonai, mon Dieu. Adonai, mon roi. Yahweh, papa, manifeste-toi. Manifeste-toi, Yahweh. Yahweh, libère maintenant. Interviens au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens te proclamer. Je viens te glorifier, Yahweh, exerce ta main, exerce ta puissance, Yahweh. Yahweh, fais quelque chose, toi qui es le Dieu d'intervention, toi qui es le Dieu de grâce divine, Yahweh. Papa, agis, papa, manifeste-toi, le Dieu de grâce, le Dieu de grandeur, le Dieu de puissance, le Dieu de miracles. Yahweh, accomplis ton miracle, accomplis des choses étonnantes, Yahweh, fais-moi du bien, le Seigneur de gloire, la sainteté divine, Yahweh, papa, Yeso, Yahweh, je veux que tu changes ce qui était mort, que tu donnes vie, ce qui ne marchait pas, que tu le fasses marcher, ce qui était incapable, que ça devienne capable, ce qui était impossible, que tu le rends possible, Yahweh. Interviens dans ma situation. Viens me délivrer, Seigneur. Viens me libérer, Yahweh, de tout ce que les ténèbres avaient rendu impossible, Yahweh. Que ta main jouisse maintenant. Que ta main, Yahweh, se manifeste en nous, Yahweh. Manifeste ta main. Éternel, tu es ma bannière. Tu es ma solution. Tu es mon rempart, Yahweh. Je viens t'implorer. La grâce est divine, Yahweh. Yahweh, fais grâce. Yahweh, fais grâce. Je veux vivre ta grâce. Éternel, tu es ma bannière. Tu es ma solution. Yahweh, change. Change, Yahweh. Change ma vie. Éternel, j'ai besoin de ton intervention. Seul, je ne fais rien. Seul, je suis incapable. Seul, je suis bloqué. Yahweh, je fais appel à toi. Appel à toi, mon Seigneur. Yahweh, sors-moi. Sors-moi de ces difficultés. Sors-moi, Seigneur, de ce qui est difficile, Yahweh. Yahweh, je veux vivre ton bonheur. Yahweh, je veux vivre ta sainteté. Yahweh, je veux vivre ta grâce divine, papa. Et Yahweh. Yahweh, regarde ma foi. Ma foi est bâtie sur toi. Ma foi regarde en toi. Ma foi, Seigneur, regarde en toi, papa. J'ai besoin de ton intervention divine. J'ai besoin de ton intervention, Yahweh. Papa, fais quelque chose. Interviens, Yahweh, le Dieu de grâce, le Dieu de grandeur, le Dieu de miracles, le Dieu de puissance, Yahweh. Viens intervenir, Yahweh. Yahweh, mon regard est fixé vers toi. D'où me viendra mon secours? D'où j'attends, Seigneur, Yahweh, quelque chose de toi. Yahweh, je fixe mon regard
sur toi, papa. Interviens, interviens Loïm, interviens mon Seigneur, interviens les saints d'Israël, interviens les dieux de gloire, interviens les dieux de grâce. Yahweh, fais-moi vivre, Seigneur, fais-moi vivre ton bonheur, fais-moi vivre ta grâce, Yahweh. Je t'implore, je t'implore, je t'implore la grâce divine, Yahweh. Papa, que ton miracle s'accomplit dans ma vie. Interviens, Yahweh. Je vais parler ton langage, je vais parler comme toi, je vais marcher comme toi, je vais m'exprimer comme toi, Yahweh. Papa. Gayona Fukami. Zambé. Interviens. Les dieux de paix, les dieux de grâce, les dieux de bonheur et de grandeur, les dieux de miracles et de grandeur, les dieux de sainteté. Yahweh, fais grâce. Yahweh, fais grâce. Fais grâce, Seigneur, interviens, accorde-moi le bonheur, accorde-moi la grâce divine, Yahweh, fais quelque chose, interviens, l'ami fidèle, le Dieu qui témoigne, le Dieu qui amène la grâce, le Dieu qui amène la paix, Yahweh, j'ai besoin de ton intervention, fais quelque chose, mon Dieu. Fais quelque chose, mon Seigneur. Yahweh, je t'implore. Yahweh, nazo yakolela. Liboso na yon zambé. Interviens. Interviens, Donai. Interviens, le Seigneur de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Invoque Jésus maintenant. Qu'il te remplisse de l'onction. Que le Saint-Esprit agit en toi. Que le Saint-Esprit se manifeste ce soir dans ta vie. Qu'il te revêtu de toute sa puissance. Qu'il te revêtu de toute sa grâce. Qu'il te revêtu de toute sa force. Invoquons le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit agisse. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens invoquer le Saint-Esprit. J'invoque ton esprit, Yahweh, agis ce soir, agis, Yahweh, prends place, Yahweh, viens dominer dans ma vie, viens dominer dans ma maison, viens dominer dans mon foyer, viens dominer, Yahweh, domine, Seigneur, domine, mon Dieu, domine les saints, domine les rochers de tous les âges. Domine Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, viens dominer, viens manifester ta grâce, viens manifester ta puissance, Saint-Esprit, sois au contrôle maintenant, Saint-Esprit de Dieu, dirige-moi Saint-Esprit, conduis-moi Seigneur, conduis-moi le roi de gloire, conduis-moi le Saint des saints, dirige-moi Seigneur, dirige-moi mon Dieu, dirige-moi le roi de gloire, Yahweh, parle-moi Seigneur, Saint-Esprit, sois opérationnel, Saint-Esprit opère, viens opérer, Yahweh, opère le miracle, Seigneur, opère la grâce divine, Yahweh, opère, Yahweh, j'ai besoin de ta direction, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, le Dieu de liberté, le Dieu de puissance, le Dieu de gloire, le Dieu de grâce, Saint-Esprit, opère ce soir, Yahweh, viens manifester ta puissance, Yahweh, revêtis-moi de ta force, revêtis-moi de ta puissance, revêtis-moi, Seigneur, de ta présence, Yahweh, que je sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Papa, fais-moi voir ce que l'œil normal ne peut pas voir. Fais-moi, Seigneur, entendre ce que les oreilles d'un homme normal ne peut pas entendre. Yahweh, j'ai besoin de toi, Yahweh, que j'entends la voix céleste, Yahweh, que j'entends, Seigneur,
ta voix, Yahweh, que je puisse recevoir la vision céleste, Seigneur. Yahweh, manifeste-toi. Manifeste-toi, le Seigneur de gloire, le Saint de gloire, laisse ta sainteté, la puissance divine. Yahweh, Yahweh, que je sois rempli, que je vis le débordement de ta présence, Yahweh. Remplis-moi de ton onction, renouvelle, Yahweh, que je puisse avoir une onction fraîche, Yahweh. Papa, manifeste-toi au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, viens te manifester, Yahweh, Yahweh, tu es la puissance divine, tu es la grâce divine, Yahweh. Papa, je t'implore, Yahweh, manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé, maintenant qu'on a prié, qu'on est revêtu de la puissance, bien-aimé, si tu n'es pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit, tu sais, il y a des gens, quand ils restent avec quelqu'un pour faire la délivrance, ils disent, démons, ils chassent les démons. Les démons ne sortent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de puissance. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui chassent les démons, mais les démons sont restés têtus. Et puis les démons les fatiguent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de puissance. Mouillé, ça dit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut que ton pasteur puisse avoir la puissance aussi. Pour la délivrance. Sinon, vous allez rester, il prie pour vous, les démons restent, lui dit qu'il a fait la délivrance. Non, un pasteur doit être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Amen. On en a besoin. On a besoin de cette onction. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ne sois pas pasteur sans puissance. Non, c'est pas bon. Le pasteur doit être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. J'en ai déjà vu, que ce soit des serviteurs, que ce soit des pasteurs, ils prient. Les démons ne sortent. J'en ai déjà vu. J'ai prié avec plusieurs personnes et j'ai constaté. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un. C'est pourquoi quand nous demandons le Saint-Esprit, tu demandes la puissance. Sinon, c'est l'ennemi qui va te malmener. Vous connaissez l'histoire des fils de Sceva. Ils ont dit quoi? Nous connaissons la puissance de Paul. Nous connaissons la puissance de Jésus. Et vous qui êtes fous, ils ont poursuivi ces fils de Sceva. Ils ont commencé à les tabasser jusqu'à les laisser nus. Ils sont sortis nus. Nus, je te dis. Ils fuyaient dehors. Tu vois les démons là, on ne joue pas avec. Il peut te tabasser. On voit seulement né ici, tu commences à enlever les habits toi-même. On dit, Bobo, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, les démons, ils sont en train de les terrasser. C'est pourquoi dans des prières comme ça, quand on dit demande la puissance, toi tu dis, ah ça m'endort, j'attends seulement chasser. Tu vas chasser les démons sans puissance. Amen. Tu dois être de la puissance hein, du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, les liens qu'ils étaient ont fait quoi? Les liens qu'ils étaient, ça fait quoi? Hein? Ça tremble. Amen. Il y a une seule personne qui connaît ça. Allez lire Acte 1. Amen. Jusqu'à Acte 2. Je vais continuer même 3. C'est des belles histoires qui sont là. Moi, j'aime les Athénaïs, Athénaïs 5. Ça me fait du bien quand je dis ça. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu vous accorde la paix. Que Dieu vous accorde la vie. Amen. Nous sommes là devant Dieu. Bien-aimé, tu vas prier pour ton territoire. Je ne sais pas. Quel est l'animal qui vient jouer sur ton terrain, le matin et le soir? Amen. Vous voyez, quand le terrain n'est pas bien nettoyé,
Les animaux ont tendance à venir comme moi, ma cour maintenant, ma tournée porte. Alléluia. Les animaux ont tendance à venir. Pourquoi? Parce qu'ils voient les herbes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas bien nettoyé le terrain. Quand le terrain n'est pas bien nettoyé, les bêtes sauvages ont l'habitude de venir danser. C'est comme les démons aussi. Quand ton territoire n'est pas bien nettoyé, ta vie n'est pas propre. Les démons, c'est un terrain qui est bon pour eux pour s'amuser. Ils viennent t'attaquer, ils viennent jouer sur ton terrain. Ce soir, nous allons prier. Alléluia! Alléluia! Nous allons invoquer d'abord le sang de l'agneau qu'il purifie le terrain sur lequel nous sommes. Que le terrain soit propre, que le terrain soit sanctifié, qu'il n'y ait pas de rebut, qu'il n'y ait pas de la saleté. Prions dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je viens invoquer Yahweh, le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nettoie les terrains, que le sang de Jésus purifie les terrains à laquelle nous sommes, Yahweh, que mon territoire soit purifié par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus. Yahweh, je viens purifier mon territoire, je viens sanctifier mon territoire. J'invoque le sang, que le sang de Jésus nettoie maintenant de fond en comble. Que tout ce qui est vil, que tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus, qui se trouve encore sur mon territoire, soit nettoyé, soit sanctifié par le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau chasse maintenant de mon territoire tout ce qui est sale, tout ce qui ne bénit pas Dieu, qui est dans mon territoire, qui se trouve encore dans mon corps, qui se trouve encore dans mon âme, qui se trouve encore dans mon esprit. Soit nettoyé maintenant par le sang précieux de l'agneau, par le sang précieux de l'agneau. J'invoque le sang, le sang de Jésus, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, que ce sang crie maintenant, délivrance dans ma vie, qu'il chasse tout ce qui est noir, tout ce qui est sale, tout ce qui ne bénit pas Dieu, qui se retrouve dans mon territoire. Sois nettoyé maintenant. J'invoque le sang. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang de la délivrance. Le sang de qui ôte les péchés du monde. Que ce sang nettoie maintenant. Nettoie maintenant mon territoire. Mon territoire. Sois nettoyé de fond en comble par le sang de Jésus. Je vais être propre. Je vais être digne de son nom, digne de sa grâce, digne de sa gloire. Yahweh, nettoie maintenant mon terrain, nettoie Yahweh, de fond en comble Yahweh, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Je viens nettoyer mon territoire, Yahweh, dans laquelle je règne, Yahweh. Je ne veux pas que les ténèbres viennent régner sur mon territoire, sur le territoire de mes enfants. Je refuse le règne de Satan, la domination des ténèbres. Je viens refuser cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je détruis tout et tout ce qui règne sur mon territoire, sur ma maison, sur mon foyer. J'invoque le sang, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Yahweh, papa, que ton sang peut maintenant crie liberté, crie gloire. Yahweh, qu'il dégage mon territoire, soit dégagé de toute impureté, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nazobele la moto, nazobele la mbouya na nzambe, nazobele la nkembo na nzambe. Yahweh, dégage Yahweh, papa, viens dégager sur mon territoire par ton sang Yahweh, que tout ce qui est sale, qui ne confesse pas la gloire de ton Saint-Nom, Yahweh, qui est encore sur mon territoire,
soit dégagé maintenant par le sang de l'agneau au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimé Dieu, il est Dieu. Dieu est saint, Dieu est puissant. Amen. Amen. Dieu est bon et il est puissant. Amen. Bien-aimé, n'oubliez pas le vendredi 10, le samedi 11, le dimanche 12 juin, nous avons un grand rendez-vous avec le pasteur Pierre de CCPV Montréal au 24 et 20 rue des Carrières. Le samedi et le vendredi et le samedi, ça sera à 19h. Le dimanche, c'est à 10h. Si tu veux rejoindre le pasteur et lui poser des questions, lui demander comment y arriver, tu peux le rejoindre au 514-677-28-93. Cet homme, je pense, avec sa bonté qu'il a, il va te donner des informations comme il faut. C'est un homme qui est bon, qui est gentil. Vraiment, je te demande de ne pas hésiter de l'appeler. Que Dieu bénisse le pasteur Pierre. Amen. Nous allons continuer, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous allons maintenant détruire toute personne qui est en train d'occuper abusivement ton territoire. Il est en train de te limiter. Il a pris place sur ton terrain. Bien-aimé, imagine seulement tu te réveilles le matin comme il en est d'habitude en France. On appelle ces gens-là les tigans. Alléluia. Ce sont des gens qui sont nomades. Un jour, tu peux les voir. Ils trouvent seulement ton terrain qui n'est pas clôturé. Ils placent leur camp. Ils campent sur ton terrain. Alléluia. Tu ne peux pas prendre le fusil et te chasser. Il faut négocier avec la commune qui vient leur donner l'ordre de quitter. Des fois, ils sont têtus pour partir. Alléluia. Maintenant, quand il prend ton terrain, ils font des choses incroyables. Des fois, il faut la toilette sur ton terrain. Hey, ce sont des gens bizarres et des grands voleurs en plus. Ils sont spécialisés dans cette histoire-là. Alléluia. Maintenant, tu vois, tu te réveilles, tu trouves ton terrain comme ça. Tu n'es pas, tu vas tout faire pour qu'il dégage. Alors, pourquoi ton territoire à toi? Tu ne te réjouis pas du territoire. Tu n'y as que 20% de règne sur ton territoire. Les 80%, c'est l'ennemi qui règne sur ton territoire. Est-ce que c'est normal? On ne peut pas partager le pourcentage avec l'ennemi. Même 5%, Maman Véro, on ne peut pas céder à l'ennemi. Alléluia. Même 1% gift, on ne peut pas donner à l'ennemi. Alléluia. Même 0,5%, bon côté ne peut pas céder à l'ennemi. Non, on va prier que toute personne qui occupe abusivement mon territoire, qu'il soit foudroyé par le feu. Ma baga yamoto, les pierres de feu descendent sur lui, prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens invoquer les pierres de feu qui descendent maintenant sur toute personne qui est en train d'occuper mon territoire. J'invoque le feu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Je viens invoquer le feu, je viens invoquer le feu contre toutes personnes qui occupent mon territoire, qui occupent ma vie, qui veut régner sur mon territoire, sur ma vie. Yahweh, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu les frappe maintenant, qu'ils soient frappés par le feu. J'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel, que le feu frappe maintenant toutes les personnes qui occupent mon territoire, qui est dans mon territoire, qui est en train de régner dans le territoire qui m'appartient. Yahweh, papa, ne les laisse pas tranquilles. Ne les laisse pas vivre dans mon territoire. Yahweh, frappez-les. Frappez-les, Yahweh. Frappez-les, Yahweh. Frappez-les, Yahweh. Qu'ils soient frappés sévèrement. Celui qui occupe abusivement mon territoire. Yahweh, que les feux de Dieu, les feux de Dieu, les frappe maintenant. Qu'ils soient frappés. Qu'ils soient frappés.
qu'il soit frappé par le feu. Nazopelela, Nazopelela, Motwe, Moto Nanzambe, Moto Nanzambe, Moto Nanzambe, Elekana Kopeta, Mutu Nyoso, Oya Fandi na territoire Nangai, Oya Fandeli Misala Nangai, Azo Yamba Moto, quel effet, quel effet, quel effet, quel effet, frappe maintenant toutes les personnes qui occupent mon territoire, qui occupent ma vie, soit frappé par le feu de Dieu. J'invoque le feu, j'invoque le feu, Motoé, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu les frappe maintenant, qu'il soit frappé, qu'il soit frappé, qu'il soit frappé par le feu. Papa, toute personne qui est en train de mettre ses tentes sur mon territoire, sur ma vie, Yahweh, qu'il soit frappé par le feu au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Je vais amplifier cette requête parce que je vois les mamans n'ont pas bien compris. Les hommes ont bien compris parce que nous, les hommes, nous n'aimons pas partager la femme. Alléluia. 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 Maman, veux-tu partager un homme? Alléluia. Maman, sois en colère, maman. Ton homme ne peut pas commencer à partir. Tu dis, je vais prier seulement que Dieu fait. Non, c'est le moment de dire à Dieu que voici, il y a quelqu'un qui occupe mon territoire. Que le feu de l'Éternel le frappe aujourd'hui. Que cette femme, si ne veut pas comprendre que c'est l'impudicité, que c'est la fornication, il ne veut pas changer sa vie. Il ne veut pas changer le mode de sa vie. Il ne veut pas se repentir. Qu'il soit foudroyé maintenant par le feu. Alléluia. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens invoquer le feu. Que le feu de Dieu, que le feu de Dieu frappe maintenant toutes les personnes qui est en train de contrôler le cœur de mon mari, qui est en train de contrôler le cœur de ma femme. Qu'il soit frappé, qu'il soit foudroyé par le feu. Celui qui contrôle le cœur de mes enfants, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu les frappe maintenant, les frappe maintenant. Nous ne sommes pas objets d'être un territoire à laquelle l'ennemi se réjouisse, à laquelle l'ennemi domine et frappe Yahweh. Je mets fin aux manigances de l'ennemi. J'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu frappe toutes les personnes qui est en train de manigancer Yahweh son pouvoir sur mon territoire, celui qui est en train de s'amuser sur le territoire de l'église. Yahweh, qu'il reçoit le feu, qu'il reçoit le feu. Yahweh, ne le laisse pas respirer, ne le laisse pas voir encore le soleil. Yahweh, qui ne voit que l'obscurité. Yahweh, amène-le dans l'obscurité, Yahweh, que le soleil soit, qu'il soit privé du soleil, qu'il soit privé de la lune, qu'il soit privé des étoiles. Yahweh, qu'il vit dans l'obscurité, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans son père et la moto. Feu, 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 feu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, que le feu de Dieu détruise maintenant tout pouvoir des ténèbres, tout pouvoir satanique, tout pouvoir maléfique soit détruit maintenant dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. J'invoque le feu, j'invoque le feu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Bien-aimé, un phénomène bizarre s'est passé aujourd'hui. Amen. J'étais dans mon bureau tranquillement en train de travailler. Le cellulaire sonnait tellement qu'on a insisté. J'étais obligé de prendre, malgré que j'étais en réunion. Je me suis dit, si la personne a insisté, peut-être c'était qui est grave. Je me suis précipité à la toilette pour aller parler.
Je dis oui, il me dit, c'est le pasteur Pierre. Je dis, c'est moi le pasteur Pierre. Il dit, peux-tu prier pour moi? Je suis gravement malade. Je tremble là où je suis. Bien-aimé, Dieu qui est au ciel, il est Dieu, il restera Dieu. Pendant que je priais, le monsieur criait de l'autre côté. Laissez-moi, le téléphone est tombé, j'ai continué la prière. J'ai crié tellement que lui criait, moi aussi j'ai commencé à crier, j'ai oublié que j'étais au travail. Heureusement, c'était à la toilette, il n'y avait personne. Imaginez si quelqu'un entrait. J'ai vu seulement une femme qui a frappé, qui a dit, monsieur, tout est correct. J'ai dit, oui, tout est correct. Parce que j'ai entendu feu, je pensais que tu criais qu'il y avait les feux. J'ai dit, non, tout est correct. J'ai parlé tout seul. Alléluia. Bien-aimé, je suis resté pendant 10 minutes à attendre que monsieur se remet dans ses états. Quand j'ai vu que ça prenait le temps, j'ai continué encore à envoyer le feu. À un moment donné, j'ai entendu le calme. Et puis j'ai dit, papa, tu peux prendre le séminaire. Il a pris son téléphone. J'ai prié pour lui. Il m'a dit, papa, je me sens bien, bien. Je ne tremble plus, je n'ai plus froid, je me sens bien. Pourtant, il sentait un froid terrible. C'est pour vous dire que Dieu existe. Moi-même, là où j'étais, je ne m'attendais pas à cela. Je pensais que je vais prier normal comme on a l'habitude de prier, mais je ne m'attendais pas de cette vie. Alléluia. Maintenant, tu vas prier. Le Dieu qui a guéri, c'est ton père qui a guéri. Dis, Dieu guéris moi, Seigneur. Que Dieu te guérisse ce soir. Prions, car Dieu dit, il guérit toute maladie. C'est pour te dire, vendredi ne manque pas. Samedi ne manque pas. Oh, bien-aimé, dimanche ne manque pas. Alléluia. Qui est la maladie pour que toi, tu ne sois pas appelé? Qu'est-ce qui n'est lui maladie? Maladie, tu es qui? Tu es qui, toi, maladie, pour me mettre en esclavage? Or, Dieu m'a sorti de l'esclavage. Toi, maladie, pourquoi veux-tu me maintenir dans l'esclavage? Bien-aimé, tu ne seras plus esclave à partir de vendredi, là. Ah, ça va chauffer. Nous allons maintenant ordonner à la maladie de partir. Proclame la guérison. Proclame après cette prière la guérison. Nous chassons d'abord la maladie. Après, tu proclames la guérison. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens ordonner à la maladie de quitter. Toi, maladie, tu vas me libérer. Tu vas dégager. Tu vas partir. J'invoque le feu. Le feu. Que le feu de Dieu. Que le feu de Dieu consume maintenant toutes racines de la maladie. Sois consumé par le feu. J'invoque le feu. J'invoque le feu. J'invoque le feu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Je viens invoquer le feu. Je viens invoquer le feu. Je viens invoquer le feu. Que le feu. Que le feu. Que le feu. Que le feu. Détruisez maintenant toutes les personnes qui se levaient dans ma vie, qui a pris place dans ma vie, soit détruit dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. J'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Je viens invoquer le feu, 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 que le feu de Dieu, que le feu de Dieu consume maintenant toutes tes présences, toutes tes racines de la maladie. Sois consumé dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je viens invoquer le feu, je viens invoquer le feu. Nous ordonner la maladie, ekende, yo maladie, na pengani yo, na kwaki yo bisika bikauka, bima na ndako na ngai, bima na mtoto na ngai. Tu n'as pas droit à régner dans ce corps est le temple du Seigneur. Je viens t'ordonner de quitter.
quitte maintenant. Maladie, je te chasse, moi et toi, maladie, nous ne marcherons pas la main dans la main. Maladie, tu es mon ennemi. Maladie, je ne veux pas que tu entres dans mes affaires. Maladie, sors! Sors de mes affaires, sors de mes projets, sors de ma vie. Toi, maladie, on se sépare. Moi et toi, nous n'avons aucune alliance. Je détruis cela dans le nom de Jésus. Quitte ma vie maintenant. Pars! Sors de ma vie. Sors de ma vie. Maladie, que tu ne reviennes plus. Ne reviens plus. Ne reviens plus. Je ne veux pas de la maladie dans ma vie. Je ne veux pas qu'on parle de la maladie ni de quoi que ce soit. Maladie, sort. Je proclame que je suis guéri. Je proclame que j'ai la santé. Je proclame que j'ai la vie. Je déclare 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 la santé. Je viens déclarer que j'ai la vie. Que je vive. Oh Yahweh, manifeste-toi, le Saint d'Israël, le Dieu de gloire. Yahweh, élargis mes limites, Yahweh. C'est toi qui met les bornes dans ma vie. Un homme ne mettra jamais de bornes dans ma vie. Yahweh, c'est pourquoi je détruis l'œuvre des ténèbres, l'œuvre du diable. Je les brise et je les démolis. Je les écrase au nom de Jésus. Yahweh, que toi seul, tu puisses te manifester. Manifeste-toi, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes dans lundi de triomphe, lundi dans lequel nous déclarons des grandes choses. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'attendais le témoignage d'un homme de Dieu. Il a dit un témoignage si puissant. Il s'est marié avec sa femme. Sa femme, il a épousé sa femme à l'âge de 28 ans. Lui, il en avait 37. Sa femme en avait 20. Alléluia. À 30 ans, sa femme a fait le premier enfant. À 32 ans, sa femme a eu son deuxième. À 34 ans, sa femme a eu son troisième. À partir de 35 ans, sa femme a fait le premier enfant. Alléluia. Quand il a entendu le message des pasteurs qui vient chez nous souvent, Saint François, ça l'a libéré. C'est là où il a compris qu'il y avait la présence de mari et femme de lui dans sa maison. Mais il ne savait pas de quel côté était cet esprit. Si c'est dans la tête de l'homme, premièrement, on dit que c'est le mari de lui chez la femme. Alléluia. Quand ils ont commencé à prier, un jour, prier, lui faisait la délivrance sur la femme. Alléluia. Il a prié. Après, ils se sont endormis. Et maintenant, en rêve, sa femme voit un monsieur qui lui dit, ce n'est pas toi le problème. Le problème, c'est la femme de ton mari. C'est la femme de ton mari qui ne veut pas que vous soyez unis. Ça fait longtemps qu'il combat ton mariage. Depuis que tu as eu les trois enfants, il n'est pas content. Il t'a privé des enfants, garçons. C'est pourquoi tu as fait des filles. Parce qu'il sait que si tu as un garçon, le cœur de ton mari se penchera vers toi. Parce que le mari est bon. Barouba, ils aiment que l'enfant, maintenant, qu'il puisse avoir plus de garçons que moi, les filles, pour qu'il y ait des opportunités du nom. Alléluia. C'est comme ça qu'il commence à dire, tu vois ta belle-mère, t'accueille tout le temps. C'est parce que c'est l'esprit-là qui est en train d'embêter ton mari, qui est en train de faire ça. Amen. La femme se réveille le matin. Heureusement, il avait un mari qui était compréhensif.
Quand il a dit ça au mari, le mari a compris. Il a dit, ma mère me dérange à cause de ça. C'est parce que quand je lui dis, je vais amener les enfants, il me dit, qu'est-ce que tu veux m'amener? Les filles, mais regarde comment quand mon frère amène les enfants, comment ma mère est contente. Parce que son petit frère a fait qu'il est là. Alléluia. Et les enfants de son petit frère étaient plus appréciés que les enfants de cet homme. Amen. Le pasteur, maintenant, comme il avait compris, le pasteur a cherché sa délivrance. Le pasteur a cherché quoi? Le pasteur a cherché quoi? Donc, il y a des pasteurs aussi qui cherchent la délivrance. Ouais, quand on est conscient, on sait que quoi qui combat ta vie, on va chercher quoi? La délivrance. Le pasteur a cherché quoi? La délivrance. Alléluia! Alléluia! Bien aimé, le pasteur, quand il est passé par la délivrance, alléluia! Pendant sa délivrance, c'est la tante qui parlait. La tante disait, toi, tu ne peux pas te marier à quelqu'un d'autre parce que moi, je ne veux pas, je t'appartiens. Alléluia. C'est la tante qui parlait dans la vie du pasteur. Le pasteur prêchait tous les jours. Le pasteur avait un bon message. Le pasteur avait la parole qu'il prêchait. Une bonne parole en plus. C'est très, très profond. Mais le pasteur est bloqué par les ténèbres. Alléluia. Bien aimé, quand on a fait seulement la délivrance du pasteur, la maladie de la ménopause a fait quoi? Est partie. Alléluia. Il y a certaines personnes qui sont malades, se dit peut-être à cause de son partenaire. Amen. Ce soir, nous allons prier. Celui qui est en train d'abuser de ta santé, celui qui est en train de contrôler ta santé, alléluia, est-ce que cet homme peut vivre encore? Nous allons le tuer. Vous avez lu l'Apocalypse de dimanche, non? Parce qu'on avait dit qu'on laisse cette personne vivre. Hein? L'Apocalypse qu'on a lu dimanche. Que M. David avait dit, donc je suis sûr que M. David connaît ce passage de l'Apocalypse 11. Je suis sûr qu'il le connaît. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas lire et lire. Il faut pas quand on lit, on garde. Alléluia. On acquiert quoi? La connaissance. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons tuer. Nous allons tuer toute personne qui est en train de contrôler notre santé. Nous n'avons pas mandaté quelqu'un à contrôler notre santé. Toi, tu veux contrôler ma santé. Tu veux contrôler ma pression. Tu veux contrôler les battements de mon cœur. Tu veux contrôler mes marches. Tu veux contrôler ma manière de respirer. Tu veux contrôler mes reins. Tu veux contrôler mes seins. Tu veux contrôler les métatifications. Alléluia. Alléluia. Il y a des dents qui te font parler tout le temps. Qui contrôle tes dents? Il va mourir aujourd'hui. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens invoquer le feu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu frappe maintenant toute personne qui est en train de contrôler ma vie, ma santé. Yahweh qu'il meure, toute personne qui abuse de ma santé, qui abuse de ma vie. Yahweh, j'invoque le feu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu frappe maintenant toute personne qui est en train d'abuser de ma santé, de ma vie. Il ne veut pas que je vive en paix. Il ne veut pas que je sois en santé. Il est en train de contrôler ma pression. Il est en train de contrôler ma tension. Yahweh, aujourd'hui, j'invoque le feu. Yahweh, toute personne qui est en train de contrôler le taux du sucre de ma vie, Yahweh, qu'il soit frappé par le feu.
J'invoque les feux, j'invoque les feux, j'invoque les feux, que les feux de Dieu, que les feux de Dieu, que les feux de Dieu. Que le feu de Dieu, que le feu de Dieu frappe maintenant toutes les personnes qui contrôlent ma vie, qui contrôlent mes enfants, qui contrôlent mon foyer, qui soient frappés par le feu. J'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, que le feu, que le feu, que le feu frappe maintenant toute personne qui est en train de contrôler ma vie, qui contrôle ma santé, Yahweh, qui soit frappé, par le feu, celui qui veut contrôler mes rêves, qui veut contrôler Yahweh, mes identifications, Yahweh, qui soit frappé, par le feu. J'invoque le feu, j'invoque le feu, Motoé, Motoé, Moto, Motoé Tumba, Oyonyo Soazo Simba, Santé à Bananangai, Oyazo Simba Santé à Moissinangai, Oyazo Simba Santé Nangai, Ayamba Moto, Oyazo Tana, Toya Sikre ya Vinangai, Ayamba Moto, Moto, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, que le feu, que le feu, que le feu détruise maintenant toute personne qui est en train de toucher à tout ce qui est en moi. Yahweh, concernant ma santé, Yahweh, ce soir, monte la daïe, Azika, qu'il soit brûlé, qu'il soit consumé dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Il est Dieu, il est précieux, il est le Saint d'Israël, il est le rocher. Guigui, il est Dieu, il est puissant. Amen, amen, amen. Il est merveilleux. Amen, amen. Oh, gift, notre Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Notre Dieu est bon. Moi, j'aime pas le diable. Le diable, il est rusé. Il n'est pas gentil, cet homme. Quand nous prions, le diable donne son main. Et quand nous terminons la prière, le diable lève son main. Ah, diable, pourquoi tu nous fais comme ça? Tu vas voir après la prière, tu vas commencer à parler. Le sommeil est parti. Maintenant, il bougit vos yeux. Pourquoi? On ne peut pas faire la défaut pendant la prière parce qu'il nous bougit les yeux dans le sommeil. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu qui nous fait du bien? Amen, 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 amen. Bien-aimé, toi qui es à la maison, ne dors pas. Amen, hein? Commence à te promener. Nous sommes arrivés à la fin. Ne pleure pas, on est à la fin. Alléluia. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Ne pleure pas. Amen, hein? Amen, hein? Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Bien-aimé, la Bible me dit de te dire ceci. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira quoi? Tes sentiers. C'est dans le livre de Proverbes 3, le verset 5. Proverbe Yamisato, verset Yamitan. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui comptent avec leur doigt. Oh, comme il va aller Misato. Alléluia. Chez nous, à l'Ingal, on dit au Kandana, Proverbe Yamisato, verset Yamitan. Amen. Pour ceux qui ne comprennent pas le français. La Bible nous dit ceci, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Mi pesa moté banayokobi balanzabe. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse.
kotia eli kiate na ba yebe na yo. Reconnais-le dans toutes tes voies. Yeba kolo na ba tina na yo. Alléluia. Yango nde ko sala abuka bangomba nyoso ekilebeli. Alléluia. Je vais maintenant l'expliquer en français. Donc, on dit ceci. Tu dois confier tout ton cœur à Dieu. Donne-lui tout ton cœur. Donne ton cœur à l'Éternel. Alléluia. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il y a des gens qui s'appuient sur son intelligence. Ils s'appuient sur son argent. Donc, quand il dit, demain je serai là, c'est parce qu'il sait avec son argent, il va y arriver. Il sait avec sa voiture, il va y arriver. Mais bien aimé, ta voiture n'est pas l'assurance. Ton argent n'est pas l'assurance. Alléluia. Tu peux beau avoir la voiture. Tu peux beau avoir l'argent. Si Dieu ne veut pas que tu arrives, tu n'arriveras pas. Alléluia. C'est pourquoi il faut t'appuyer sur Dieu. C'est ainsi on dit, reconnais Dieu dans toutes tes voies. Donc dans tout ce que je fais, que je reconnais, c'est grâce à Dieu que je suis parvenu ici. J'entendais un journaliste qui dit, mais il y a des chrétiens qui appliquent les gens à dire aux gens, il y a des pasteurs, c'est grâce à Dieu. Il dit, je suis fatigué. Quand je croise un ami, il dit grâce à Dieu. Il dit grâce à Dieu. Il dit si Dieu le veut. Il dit ces phrases-là m'énervent tout le temps. Tu vas voir même un intellectuel qui dit cela. Mais oui, papa, monsieur le journaliste, tout c'est grâce à Dieu. Si tu parles, tu fais les émissions parce que Dieu le veut. Tout à l'heure, on n'avait pas d'image. J'ai tout fait, j'avais tout raconté. On n'avait pas d'image. C'est grâce à Dieu. Il fallait que Jordan soit là pour que Jordan arrange l'image. Alors, toi, tu vas dire que c'est un hasard. L'ennemi voulait décourager certaines personnes de ne pas suivre la prière. Quand tu vois qu'il n'y a pas l'image, tu dis, peut-être c'est celui du matin. L'ennemi voulait faire croire à certaines personnes, c'est là. Mais Dieu, qui est aux cieux, quand il a vu que nous nous sommes appuyés sur lui, parce qu'on a intercédé, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné la solution. Bien-aimé, tous les jours, ce n'est pas toi. Parce qu'il y a des gens qui croient que parce qu'il doit préparer sa retraite, il va travailler comme ça, sa retraite sera bien. Bien-aimé, tu peux garder tout cet argent-là. Tu peux faire tout ce que tu peux. Tu peux investir dans l'immobilier, Si Dieu ne veut pas, Alléluia. Si Dieu ne veut pas, tu ne marcheras pas. Alléluia. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Mais reconnais dans toutes tes voies le Seigneur. C'est lui qui aplanira toutes les montagnes, tout ce qui s'élèvera, les obstacles, c'est lui qui les détruira. Ce soir alors, présente à Dieu ton offrande. Dis Seigneur, aplanis tous les obstacles qui sont devant moi. Voici l'offrande de papa. Regarde cette offrande. De la même manière, Yahweh, que Abraham. De la même manière, papa Abraham t'avait amené Isaac. Moi aussi, je t'amène mon Isaac. Yahweh, mais voici, je soulève le couteau pour couper la tête de mon Isaac. Papa, tu avais fait apparaître le bélier derrière le dos d'Abraham. Le bélier n'était pas là quand Abraham était monté sur la montagne. Mais par ta grâce, par ton amour, tu as mis le... Tu es capable, Yahweh, d'aplanir, Seigneur, les montagnes, les obstacles qui s'élèvent dans ma vie. Voici l'offrande. Bien-aimé, présente à Dieu bien ton offrande aujourd'hui. Prends ton offrande. Prends un 10 dollars. Je ne demande pas beaucoup ce soir. Un 10 dollars seulement. 10 dollars. Pardon, 10 dollars. En français pour vous. 10 dollars devant Dieu, c'est quoi? C'est rien. Lui, il n'a plus que 10 dollars. Il envoie quelqu'un d'aller chercher l'argent sous de l'eau. Tu penses que Dieu peut manquer 10 dollars? S'il avait envoyé qu'on cherche l'argent sous de l'eau, Dieu peut envoyer quelqu'un venir chercher même à te créer l'argent. Alléluia. Alléluia. Prenons les 10 dollars, commençons à prier. Dis Seigneur, aplanis toutes les obstacles, toutes les montagnes qui s'élèvent dans ma vie. Seigneur, aplanissez-les. Prions dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus, je viens implorer Dieu, aplanis Yahweh, toutes les montagnes qui s'élèvent dans ma vie. Yahweh, aplanis-les, aplanis Seigneur, aplanis Yahweh, les obstacles, Seigneur, qui se met sur mon chemin. Yahweh, aplanis-les, Yahweh, que je puisse vivre en paix, que je puisse vivre, Seigneur, dans la joie, que je puisse vivre, Seigneur, dans la grâce divine. Yahweh, je t'implore, mon Père, je t'implore, mon Dieu, je viens vers toi, Yahweh, Papa, je ne m'appuie pas sur ma richesse, je ne m'appuie pas sur ma sagesse, c'est vers toi que je m'appuie, Yahweh, par ta grâce, Yahweh, fais-moi du bien, Yahweh, je lève mes yeux vers le ciel, d'où me viendra le secours, Yahweh, je viens t'implorer, le Dieu de grâce et le Dieu de gloire, Papa, fais-moi du bien, Yahweh, Elohim, je suis à genoux devant toi, Elohim, je suis devant toi, en train de t'implorer, en train de plaire, Yahweh, écoute les cris de ma voix, Papa, je suis petit devant toi, je suis rien devant toi, Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur, réponds-moi, Yahweh, aplanis, Yahweh, tout ce qui s'élève, tout ce que le méchant a élevé dans ma vie, tout ce que le méchant a fait pour me faire de descendre, Yahweh, au plus bas niveau, Yahweh, Yesoyue, Salangabola Moukolo, Salangabola Mounzambe, Salangabola Mouétoile du matin, Salangabola Mou Yahweh, fais-moi du bien, éternel, ma bannière. Yahweh, je veux que tu me fasses du bien. Fais-moi du bien, papa. Fais-moi du bien, mon Dieu. Fais-moi du bien, mon roi. Fais-moi du bien, Yahweh. Je viens t'implorer. Je viens t'implorer la grâce divine, la puissance, Yahweh, la grandeur, les miracles, Yahweh. Accomplis tes desseins dans ma vie. Accomplis ta grâce dans ma vie. Yahweh, j'ai besoin de toi, papa, aplanis, Yahweh, aplanis, Seigneur, tout ce que le méchant a élevé dans ma vie, a élevé dans la vie de mes enfants, aplanis le Seigneur, Yahweh, ils ont mis, Seigneur, ils ont mis des embûches, et ils ont mis des embûches dans ma maison, ils ont mis des embûches dans mon chemin, Yahweh, aplanis, Yahweh, les forces des ténèbres, les forces du mal, viens aplanir, Yahweh. Yahweh, libère. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi, mon Dieu. Libère-moi, mon roi. Au nom de Jésus. Yahweh, je m'abaisse devant toi. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. On va s'arrêter ici pour permettre à nos petits bébés de dormir. Amen. On est arrivé à la fin. L'adresse pour envoyer ta dîme, ton offrande de ce soir, parce que l'offrande de ce soir est exceptionnelle pour que touche le cœur de Dieu. C'est CCPV Montréal 2420 à commercial@gmail.com. CCPV Montréal 2420 à commercial@gmail.com. Le mot de passe est dîme en minuscule. Sans accent circonflexe. J'espère que tu vas envoyer pour toi, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme. Donc, tu envoies pour toute la maison que Dieu puisse aplanir les montagnes. Si vous êtes à 4, c'est 40 dollars. Si vous êtes à 5, c'est 50 dollars. Si vous êtes à 3, c'est 30 dollars. Si vous êtes à 6, c'est 60. Si vous êtes à 1, c'est 10 dollars. Si vous êtes à 2, c'est 20 dollars. Que Dieu tout puissant vous bénisse.